Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une astuce dans l'option corner qui n'a rien à voir avec les options que je vous ai présentées tout précédemment. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines astuces. Et c'est ce qui te permettra de limiter ou soit de ne plus jamais perdre sur la plateforme. Un is bet. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons entamer rapidement la méthode en question. Aujourd'hui, notre analyse portera systématiquement sur cette rencontre. Vous voyez, la rencontre de Deportivo contre Elche. Donc rapidement, nous allons cliquer sur la rencontre. Arrivé à ce niveau, vous voyez que à chaque fois que je vous donne mes astuces, mes failles, je tiens toujours compte des deux cotes différentes. Nous voyons très bien que Deportivo et Elche ont à peu près les mêmes cotes. Vous voyez, ont à peu près les mêmes cotes. Vous voyez. Donc, rapidement, nous allons défiler vers l'option corner. Vous voyez. Donc, arrivé à ce niveau, vous voyez, il y a le corner du match complet. Et il y a corner premier mi-temps et ainsi corner deuxième mi-temps. Ici, je vous conseille de prendre toujours corner deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cela, c'est à partir de là plutôt que tout va se jouer. Vous voyez? Donc, si c'est à partir de deuxième mi-temps qu'il y a plus de 14 corner dans le jeu. Maintenant, voici l'option que nous allons choisir ici. Pourquoi? Voici l'option que nous allons choisir. L'option du milieu 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire un va gagner en corner parmi les deux équipes. Si en deuxième période ils font 2-1 corner, en tout cas il aura un gagnant en corner en deuxième mi-temps. Vous savez que notre corner est une option qui est très très facile à avoir dans une rencontre. Surtout à partir de la deuxième mi-temps, c'est là que tout va se jouer. Vous comprenez? Donc, je vous conseille de prendre l'option 12. Non, il n'aura 8. 12, il aura au moins un gagnant en corner en deuxième période. Vous pouvez accumuler ce genre d'options pour pouvoir miser dessus et gagner facilement vos différents paris. C'est dans cette option qu'il y a 0,9. 1,09. S'il y a d'autres options, il y a 14, il y a 15, voilà. Donc, je vous conseille vraiment de faire ces solutions et vérifier. Je suis sûr que tous ceux qui vont essayer mes astuces, ils viendront me dire que ah, ça marchait vraiment, ça marchait vraiment. Voilà. Ici, moi, je travaille pour vous et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Voilà, c'est ce qui me donne courage à faire régulièrement des vidéos pour vous, pour que vous puissiez gagner aussi vos différents paris. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et de mettre en commentaire si mes vidéos t'aident vraiment à gagner ou pas. Là, je vais améliorer de plus pour que vous puissiez gagner facilement et régulièrement.